Et donc, bienvenue à l'IHP. Donc, c'est une journée un petit peu particulière pour moi aujourd'hui parce que c'est la dernière journée du trimestre Gravasco que j'ai eu le plaisir d'organiser ici depuis 3 mois. Donc, c'est un trimestre qui s'occupait de problèmes à n-corps pour n égale 2 jusqu'à l'infini. On n'a pas eu peur, hein. On n'a pas molli. Donc ça a été un trimestre très très riche, hein, qui a commencé par une école d'été au CIRM où on a étudié des cours sur la théorie CAM, ensuite on a fait de la mécanique céleste, ensuite on a étudié toutes les équations de transport qui interviennent dans ce genre de problème, ensuite on a fait de la dynamique stellaire, ensuite on a fait de la dynamique des galaxies, ensuite on a fait de la cosmologie. Et on a terminé, hein, j'ai tenu à ce qu'on termine par des commémorations. Donc pendant 2 jours, hier, il y a eu les commémorations on a rendu hommage à Michel Hénon qui nous a quittés au mois d'avril dernier. Et donc on a eu 2 jours de commémoration, on a été reçus au Sénat. J'ai découvert plein de trucs, c'était fantastique. Et puis aujourd'hui, donc on finit... j'ai envie de dire en apothéose, avec la commémoration du bicentenaire de Lagrange. Donc Lagrange, pour moi, c'est quelqu'un de... Je ne suis pas tout seul, mais particulièrement pour moi, qui ai la chance d'enseigner dans ce genre de domaine. J'arrête pas de parler de Lagrange dans mes cours, hein, s'il y a de mes étudiants dans l'assistance, ils sont au courant. Hein. Lagrange, pour moi, c'est une sorte d'idole. Et donc c'est avec une grande émotion et avec un grand plaisir que j'ai eu le plaisir d'organiser cette commémoration. Alors c'est une commémoration qui a pris un peu d'ampleur au fil du temps. Donc ça va durer toute la journée. Donc on va commencer ce matin, dont nous avons l'honneur de recevoir Luigi Pepe de l'université de Ferrare, qui va nous retracer la biographie de cet illustre savant. Ensuite, à l'issue de cette biographie, nous dirigerons vers le Panthéon, en cortège, précédé par un bataillon de l'école polytechnique, parce que vous allez apprendre que Lagrange était un premier professeur de mathématiques de cette école, il a participé à sa fondation, etc., enfin, pour empiéter sur le savoir de Luigi Pepe, qui va vous expliquer tout ça, j'imagine. Ensuite, nous reviendrons ici pour un cocktail. Et ensuite, vous aurez l'occasion de voir en avant-première un film qui a été réalisé pendant longtemps, quasiment toute la durée du trimestre, hein, par Quentin Lazarotto. Donc j'ai participé un peu à ce film pour certains aspects scientifiques. Et puis c'est Frédéric Brechenmacher qui a contribué largement aussi à sa réalisation et son scénario. Donc vous assisterez à la projection en avant-première de ce film. Et ensuite, cet après-midi, nous aurons 3 grandes conférences scientifiques sur les travaux scientifiques de Lagrange par Cédric Villani, Jacques Lascar et Alain Albouy. Et ensuite, le trimestre sera terminé pour moi. Enfin, il restera quelque chose encore, hein, puisque à partir de lundi prochain, à la mairie du 5e, vous aurez la possibilité d'aller visiter une exposition sur les pas de Lagrange dans laquelle un certain nombre d'éléments biographiques, des lettres, des documents, des livres, etc. Donc il ne faudra pas louper le coche, parce que c'est une exposition qui ne durera que 10 jours. Mais je pense que c'est intéressant et ça vaut le coup d'aller la voir. Donc je ne vais pas prendre plus de temps et je vais laisser la parole à Luigi Pepe, donc de l'université de Ferrare, historien des sciences, reconnu dans le domaine des travaux de la biographie de Lagrange. Je lui cède la parole pour la matinée jusqu'à ce qu'on aille au Panthéon. Voilà, avec un grand plaisir. Merci. Merci, chers collègues. J'ai l'occasion de revenir au centre Poincaré, Vous m'excusez de me confondre parce que quand je suis arrivé la première fois pour étudier Lagrange, je me suis rencontré justement avec M. Taton, que j'ai évoqué dans les commencements de mon exposition, parce que c'est lui qui m'a introduit aux documents historiques qui sont gardés, sont plusieurs, à Paris et sur Lagrange. Et M. Taton, oui, il était professeur, il était mathématicien, il a commencé sa thèse sur Monge, et il a travaillé beaucoup sur Monge jusqu'à le début des années 50, quand il s'est rencontré avec un grand historien de la science qui est Sarton, George Sarton, qui avait étudié Lagrange pendant la guerre. Il a écrit un remarquable travail sur Lagrange, Lagrange's Personalities, qui est très important. Et oui, Sarton s'est aussi intéressé à des documents qui se trouvaient à Paris. Et oui, M. Taton est devenu son partenaire dans les travaux dans lesquels il a découvert des documents sur le second mariage de Lagrange, qui est très important, on verra, pour établir la nationalité de Lagrange. Et enfin, il a commencé à travailler, M. Taton, sur Lagrange. Il n'a pas terminé ça jusqu'à la fin de sa vie parce qu'il a fait beaucoup de travaux historiques, biographiques, desquels on a profité. Moi aussi, j'ai profité. Et il a été, je suis content de le rappeler parce qu'il a été le refondateur, on peut dire, aussi du séminaire d'histoire des mathématiques de l'Institut Poincaré, après la Seconde Guerre mondiale, 1948. Sarton. Et je vais terminer par rappeler le nom de Filippo Burzio, qui était le biographe italien le plus connu de Lagrange, et qu'il était aussi très important parce qu'il était contre le fascisme. Il a reconstitué, après la libération, la Stampa, le grand journal de Turin. Il a écrit une remarquable biographie de Lagrange parce qu'il avait aussi les moyens techniques pour faire ça parce qu'il était professeur de mécanique rationnelle aux écoles militaires de Turin. Bon. La biographie de Lagrange peut être facilement divisée en trois parties. Oui, la première, oui, ça c'est on a réimprimé récemment la biographie de Lagrange par Burzio avec mes introductions. J'ai essayé de donner des références plus actuelles sur les études sur Lagrange. Alors, ça, c'est l'exposition de Turin que vous aurez aussi la possibilité de voir en partie, comme nous a dit notre ami Perse, et oui, aussi par le moyen de Frédéric qui a organisé ces choses-là, et à la mairie du 5e à partir de lundi. On a eu une exposition remarquable à la bibliothèque, il y a encore en partie, à la bibliothèque royale de Turin, que c'est la bibliothèque du roi Charles-Albert. Donc, oui, et nous avons la biographie de Lagrange qui est facilement divisée en trois parties. La partie de Turin, où il est né, et il est resté jusqu'à 30 ans, presque en continuation, sauf un voyage qu'il a fait à Paris, dans les années 60, et puis la période de Berlin, 21 ans, né, 1766-1787, et enfin la période de Paris, jusqu'à sa mort, 1813, que nous commémorons cette année. Alors, la première chose qu'on doit se débarrasser, parce que la période des histoires nationalistes est heureusement terminée, c'est sur le nom de Lagrange. Oui. Il s'appelle Lagrange, pas Lagrangia. C'est vraiment le nom Lagrange, on le trouve dans son acte de baptême qui est rédigé en latin, et donc il est latinisé. Oui. Par contre, dans cette période, on avait a l'habitude dans les différentes nations de modifier un petit peu la graphie. Alors en Italie, quelquefois, on trouve Lagrange, mais aussi en France, vous avez Lully qui était italienne, italienne de Florence, je crois. Et en français, on l'appelle Lully maintenant encore, avec l'Y, non? Donc, Lagrange s'appelle Lagrange, et si vous me permettez, et ça c'est la généalogie de Lagrange, c'est autre chose à remarquer, parce qu'il y a un Français qui vient de la région de Tours, qui s'appelait lui de Lagrange, il est capitaine de chevalerie, il est militaire, il va à Turenne, il épouse une femme de Rome qui s'appelle Mademoiselle Conti, il s'installe à Turenne, son fils Charles Lagrange épouse une femme de Vercelli, dans la région du Piémont, qui s'appelle Cristina Borgniolo, et on a des fils, des enfants. Un des enfants, c'est Joseph-François, lui, Lagrange, qui épouse une femme de Cambiano, c'est une petite un village près de Turin. Ils ont 11 enfants. Le premier, c'est Joseph Louis Lagrange, dont nous parlons aujourd'hui. Mais aussi, il avait aussi des autres enfants. Il a une fille, Irène, Charles et Michel. Michel a assuré à Turenne la continuité de la famille Lagrange, qu'on retrouve encore là. On a aussi des héritiers Lagrange qui ont des noms différents parce que souvent la famille s'est perpétuée dans les rames féminines. Oui? Et donc, il en a ajouté des autres noms à celui de Lagrange. Mais la famille va terminer encore là. Donc, là vous avez une petite généalogie de Louis XIV, Henri IV, dont vous avez juste à côté les grands lycées, a épousé Marie de Médicis, qui était de Florence. Et son fils Louis XIII a épousé Anne d'Autriche, d'où Louis XIV. Donc, au point de vue de la généalogie, Lagrange est plus piémontais, donc plus italien, que Louis XIV est français. Voilà. Et ça, autre chose à bien préciser. Mais quand même, oui, la question de la nationalité maintenant ne se pose pas, aussi parce que Lagrange, à un certain point de sa vie, on verra, il a été naturalisé français. Parce que... Bon, alors on va prendre les choses un peu plus sérieusement maintenant. Alors, on a, oui, ça c'est un document qui nous confirme le nom de Lagrange. Son père a pris le doctorat en droit à l'université de Turenne. Et Lagrange avait commencé à être dirigé vers les études de son père, qui était un fonctionnaire de l'artillerie, mais c'est un fonctionnaire civil de l'artillerie de Turenne, et non fonctionnaire. Sa famille était assez riche, mais son père avait fait des spéculations financières qui avaient réduit beaucoup le pouvoir financier de la famille. Donc Lagrange n'était pas riche quand il était jeune. Il a commencé à étudier le droit à l'université de Turenne. Alors on n'avait pas vraiment de choix. Quand on allait à l'université, on avait en Italie trois possibilités, mais aussi au dehors. Où on faisait la théologie, où on faisait le droit, où on faisait la médecine. Alors, Lagrange s'est dirigé vers les études de droit, tandis que Euler, par exemple, a étudié médecine. Il est devenu docteur en médecine. Et il a travaillé aussi en tant que médecin quand il est allé à Saint-Pétersbourg. Mais alors on dit, les biographies les plus anciennes de Lagrange disent des choses qui sont communes dans les biographies des grands personnages. Alors, il ne désertait, il n'allait pas aux leçons de droit très fréquemment, il allait plutôt à la bibliothèque où il pouvait lire les livres de mathématiques. Et c'est surtout sur ce traité, c'est un traité d'un des élèves des continuateurs de Leibniz qui s'appelle Christian Wolff, qui a été mathématicien, mais philosophe, un philosophe très important pour le XVIIIe siècle. Emmanuel Kant dit que c'est le plus grand des philosophes dogmatiques de Wolff, qui a écrit un remarquable traité complet des mathématiques. Et Lagrange a commencé à étudier ce traité après avoir étudié, bien sûr, les éléments d'Euclide, comme tous les commençants. Et il a fait des remarques, des petits essais de cet ouvrage, parce qu'il ne pouvait pas l'acheter chez soi, il devait l'étudier à la bibliothèque. Et nous savons assez de choses sur le commencement des études de Lagrange, parce qu'à la fin de sa vie, il a donné des renseignements sur sa formation à Frédéric Maurice, qui était baron de l'Empire et qui était devenu un de ses amis. Frédéric Maurice nous a raconté, juste après la mort de Lagrange, comme Lagrange disait qu'il avait appris les mathématiques et comme on doit faire pour apprendre les mathématiques. Alors Lagrange dit qu'il a essentiellement étudié par soi-même, sans des maîtres. Il y avait un bon professeur de physique alors à Turin qui s'appelle Jean-Baptiste Beccaria, mais il n'était pas mathématicien. Peut-être c'est Beccaria qui lui a indiqué les volumes de Wolff, mais c'est un volume très connu, très répandu, donc pas de véritable indication. Mais après ça, en moins de deux années, oui, Lagrange a étudié la mécanique d'Euler, oui, il a étudié ça ensemble à la Philosophia Naturalis, le Principia de Newton. Hein. Donc il dit, j'ai alterné l'étude de la mécanique d'Euler, que vous savez, c'est la mécanique de Newton, mais au point de vue analytique, hein, avec les Principia qui ont été écrits dans une façon très géométrique. Et puis, dans la même période, il a étudié les leçons sur les calculs intégrales de Jean Bernoulli, qui avaient été publiées dans les œuvres de Bernoulli. Les livres de Maria Gaetani Agnesi, Institutiones Analytice, qui est un bon livre qui comprend ce qu'on appelle maintenant la géométrie cartésienne, hein, et le calcul différentiel et intégral, mais d'un point de vue assez élémentaire, jusque dans la manière, à peu près dans la manière de Wolff. Mais c'est un volume très bien écrit, qu'il a eu aussi la chance d'être traduit en partie en français et en anglais, hein, parce que c'est très, très utile pour apprendre les calculs différentiels et les principes de la géométrie analytique, de la géométrie cartésienne. Et enfin, oui, il s'est confronté avec les ouvrages de Euler qui venaient d'être imprimés. Alors, l'introduction in analysis infinitorum, oui, où on fait la théorie des séries et la théorie de la géométrie analytique, on peut dire, de Descartes, avec la classification des courbes, et pas le calcul différentiel, n'est pas là, hein. Il est dans un autre ouvrage de Euler, c'est Institutiones Calculi Differentialis, mais cet ouvrage n'était pas connu dans cette période par Lagrange, tandis qu'il était sorti en 1755 à Berlin. Alors ça, c'est la formation mathématique, ce sont des livres qu'il a étudiés par soi-même, à Turenne. Donc Turenne était la capitale d'un petit État, mais quand même était un centre de culture. Il avait une université qui avait été réformée, et donc il y avait des possibilités d'avoir les livres aussi récents, aussi intéressants pour Lagrange, pour sa formation. Alors, la première ouvrage que Lagrange publie, c'est un bref essai qu'il écrit en forme de lettre à Fagnano. Jules Carl Fagnano était un mathématicien qui s'était formé dans les premières années du XVIIIe siècle. Il était devenu important et connu parce qu'il avait étudié la lemniscata. Voilà. La lemniscata, c'est cette courbe que vous connaissez bien, qui avait été introduite par Jacob Bernoulli. Il y a un problème très important pour la longueur de cette courbe, qui ne se traduit pas dans une formule qu'on peut intégrer directement. Oui. Et alors, quand même, oui, Fagnano a essayé d'établir des relations qui se sont démontrées très profondes sur cette intégrale qui donne la longueur des parties de la lemniscata. Et alors, quand il était désormais vieux, on a réuni toutes ces productions mathématiques par le soin du pape Benoît XIV. Et cet ouvrage a été envoyé aux académies de l'Europe. L'ouvrage a été envoyé aussi à Berlin, où elle est tombée dans les mains d'Euler. Euler, quand il a vu ces démonstrations sur la longueur des parties de la lemniscata, a compris qu'il s'agissait d'un fait analytique profond. Et à partir de ça, il a construit la théorie des intégrales elliptiques. Donc, mais alors, oui, on peut dire qu'il était au dehors de la recherche mathématique quand Lagrange lui écrit cette lettre. Quel est le contenu de cette lettre? Alors, Lagrange croit d'avoir le premier réussi à donner une analogie du binôme de Newton en essayant de donner la dérivation et l'intégration du produit des deux fonctions. Oui, la formule du différentiel du produit des fonctions d'ordre quelconque. Voilà. C'est l'analogie avec le binôme de Newton. Malheureusement, pour Lagrange, oui, il était tombé sur une chose bien connue. Et tandis que, oui, Fagnano lui avait encouragé à publier. Non, il avait écrit d'abord en privé à Fagnano. Fagnano lui a dit « Ah oui, c'est très intéressant ». Il ne savait pas lui-même que cette formule avait été déjà publiée dans les Commercium Epistolicum, dans les lettres qui se sont changées, Leibniz et Johann Bernoulli, qui avaient été publiées en 1745. Mais donc, le début n'est pas erré pour Lagrange, mais il a bien appris de ça, parce qu'il a dit, avant de publier autre chose, je dois me renseigner sur tous les travaux importants qui ont été faits sur le sujet. Et il fait ça, et ça, c'est un caractère de ses mémoires, qui commence presque toujours avec un point de vue qu'on peut dire historique, c'est-à-dire un rendez-vous sur une exposition des principaux résultats qui ont été publiés sur le sujet. Lagrange avait écrit aussi à Euler, et dans ce moment, il n'a plus confiance sur les Italiens. Les meilleurs alors étaient justement Fagnano, mais il n'y avait plus des contemporains qui étaient très importants pour les mathématiques. Vous savez, l'histoire des mathématiques en Italie n'a pas continuité, comme presque autre chose. Non, On a des périodes, l'Italie, oui, a été le premier pays, on peut dire, de l'Europe, dans la Renaissance, dans la première période du XVIIe siècle, puis elle est tombée, hein, elle est remontée un petit peu dans la première partie du XVIIIe siècle, elle est encore retombée, hein, mais ça, ed è remontée encore dans la période napoléonienne. Oui, mais c'est ça. Donc, la chose qui nous intéresse, c'est que Lagrange n'avait pas de vraies références. Il y avait vraiment Frisi à Milan, mais qu'il n'était pas vraiment compétent sur ces choses. Alors, Lagrange, qu'est-ce que fait Lagrange? S'adresse à Euler, oui, à quelqu'un qui est au dehors. Et Euler, oui, ne répond pas à la première question de Lagrange sur sa formule pour le différentiel des produits et des fonctions, mais il répond quand Lagrange lui adresse une autre lettre. Lagrange, oui, à la fin de sa formation, avait pris contact avec l'ouvrage d'Euler, Methodus Invenienti Lineas Curvas, qui est le traité d'Euler sur le calcul des variations. Euler ne l'appelait pas comme ça, c'est le nom qui a été donné après par Euler même en lisant les choses de Lagrange. Mais c'est l'ouvrage où on trouve la dérivation des formules des équations qu'on appelle justement les équations d'Euler. Oui. Et Lagrange analyse très profondément cette méthode et qui concerne soit les minimums des quantités qui sont libres, soit ce qu'on appelle les problèmes des minimums avec des contraintes, avec des limitations. Donc, la méthode qu'on appelle de Lagrange, oui, et en petite partie une méthode de Euler, les multiplicataires. Hein, ce sont déjà en quelque sorte dans cet ouvrage. Et le calcul des variations avait une histoire, le problème des minimums et des maximums avait une histoire aussi encore déjà importante, parce que Newton avait traité les solides qui rencontrent une résistance minimale dans la pénétration de l'air à une certaine vélocité. Il s'était tombé dans la démonstration, dans la première édition des Principia. Il avait rectifié ça en 1713, mais ça avait causé une certaine polémique avec les œuvres européennes. Vous savez que nous sommes dans la période de la polémique qu'il y a entre leibnizienne et newtonienne sur les fondements du calcul. Et oui, il y avait les Anglais qui revendiquaient d'avoir tout, que Newton avait tout fait déjà quelques 10 années avant que Leibniz. Et alors les Européennes, Jean Bernoulli, Jacob Bernoulli répondaient que oui, il connaissait tant complètement le calcul différentiel qu'il s'était trompé dans le troisième terme du développement en série de Taylor, on peut dire. Maintenant, ça c'est la faute. Il y a un coefficient qui manque de la première édition des Principia pour la solution de ces problèmes. Donc, c'était un problème important. Puis, il y avait le problème de la brachistochrone, de la courbe de la plus vite descente. Et Euler, oui, avait essayé d'organiser tous ces problèmes-là dans une sorte de théorie, et il avait dérivé, il avait trouvé l'édition, l'équation d'Euler que vous connaissez bien. Ça, c'est une page de l'ouvrage. Alors, l'ouvrage d'Euler, c'est intéressant de voir ça. Vous avez plus que 200 pages. Vous avez 170 pages, on peut dire, qui servent pour trouver les équations d'Euler. Oui. Et puis, vous avez une trentaine de pages où on a les applications à la mécanique. Oui. Ça arrive parce que la méthode qui emploie Euler, c'est une méthode géométrique assez compliquée. Oui. Il arrive aux équations d'Euler, mais pas directement. Alors, c'est justement ça qui attire l'attention de Lagrange. Et il écrit, oui, ça c'est la partie de mécanique, on peut dire, d'Euler. Et il écrit à Euler, en 1755, lui proposant ce qu'on appelle maintenant la méthode de variation, et que justement c'est Euler qui a donné ce nom-là. Il dit, quand Lagrange lui démontre qu'on peut, d'une manière tout à fait simple, donner des variations sur les courbes et essayer de trouver directement une condition pour le minimum, et oui, Euler dit, ah, c'est très bien, oui, j'emploierai cette moyenne, cette méthode moi-même, et il le fait. Alors, oui, vous avez encore les équations d'Euler tirées très directement. Alors, dans les ouvrages de Lagrange, Lagrange écrit des mémoires, quelques années après, parce qu'il essaie de publier un volume sur cet ouvrage-là, mais il n'est pas réussi. Alors, il a essayé de gagner un peu de temps, et il a publié, enfin, seulement en 1762, sa méthode. Et la méthode analytique de Lagrange sont quelques pages, mais les applications à la mécanique sont énormément plus nombreuses. Hein? Donc, c'est tout au contraire de l'organisation du travail de Euler. Oui? C'est 3/4 et plus de l'exposition qui sont les applications à la mécanique, et une petite partie qui est, parce que les méthodes sont très directes, qui est la méthode analytique. Hein? Et ça a une conséquence, hein? Parce que vous savez que les mathématiciens appellent les équations de calcul de variation équations d'Euler, tandis que les physiciennes, les mécaniciennes les appellent de Lagrange ou Lagrange-Euler. C'est justement la place qu'il y a la mathématique, l'analyse ou les applications à la mécanique dans les deux ouvrages qui sont assez différents. Mais vous voyez, il ne s'agit pas seulement d'une rapidité de la méthode de Lagrange, qui est plus rapide, n'est pas seulement ça, mais la méthode d'Euler n'est pas applicable à plusieurs variables, hein, tandis que la méthode de Lagrange est applicable soit aux fonctions d'une seule variable, soit aux fonctions de plusieurs variables dans la même manière. Hein. Et Lagrange l'applique tout de suite dans sa mémoire qui a été publié seulement au XXe siècle, une mémoire qui est conservée à Tartu, hein, dans les archives de l'Université de Tartu, 5 octobre 1756, dans laquelle nous trouvons la première dérivation avec la méthode de Lagrange de l'équation de l'aire minimale, hein, l'équation des surfaces minimales, que vous trouvez là représentée. Je vous disais que Lagrange n'a pas publié tout de suite sa découverte qu'il a envoyée à Euler, parce qu'il pensait de publier un grand ouvrage sur le calcul des variations, avec toutes les applications mécaniques. Et il a été en correspondance avec Maupertuis sur cette question, parce que Maupertuis était très intéressé aux applications du principe des minimums et des maximums. Non? Il pensait que oui, de pouvoir rendre son principe de la moindre action, qu'il a formulé d'une manière assez ambiguë, hein, à toute l'organisation des connaissances humaines. Oui? Pas seulement à la mécanique, mais aussi au progrès de l'histoire, etc. Et alors, il a vu que les mathématiciens donnaient des moyens pour appliquer le principe de la moindre action, il était très intéressé. Oui. Et aussi, Euler a essayé de défendre, oui. Vous savez, Maupertuis qui malheureusement est tombé sur, sur la critique de Voltaire. Vous connaissez bien la dispute sur les principes de moindre action. Le docteur Akakia qui a fait rire toute l'Europe sur l'idée de Maupertuis que nous sommes en quelque sorte dans les meilleurs des mondes possibles. Et bon, alors oui, mais Maupertuis est très, très intéressé donc aux travaux aussi de Lagrange et il pense de l'associer à l'Académie de Berlin. Vous savez que Maupertuis était le président de l'Académie de Berlin. Hein? Donc il a été au niveau supérieur d'Euler qui était directeur de la classe des mathématiques seulement. Hein? Mais enfin, dans cette année, il y a deux choses, la mort de Maupertuis et il y a aussi le problème de communication en Europe parce que nous sommes dans la période de la guerre de 7 ans. Hein? Oui. Qui justement qui est peut-être, on peut dire, la Première Guerre mondiale, hein, qui s'est combattue aussi entre l'Angleterre et la France en Inde, dans les Indes, hein, Pondichéry, Madras, là aussi on a combattu la guerre de 7 ans, et en toute l'Europe. Donc oui, Lagrange, oui, perd un petit peu les contrats internationaux dans cette période et il gagne quelque chose à Turin parce que la lettre qu'il lui a écrite à Euler où il dit « Oui, votre calcul est très important, moi-même en ferai usage », lui donne la possibilité d'avoir une petite place à l'école d'artillerie de Turin. Alors oui, surtout parce qu'on est dans cette période de guerre, et les États de l'Europe, pas seulement le Piémont, mais aussi la France, oui, et la République de Venise, etc., cherchent d'améliorer la préparation technique des militaires. Hein. Vous savez que le XVIIIe siècle était un siècle de guerres terribles européennes. Hein. La guerre de succession d'Espagne, la guerre de succession de Pologne, la guerre de succession d'Autriche et la guerre de 7 ans. Hein. Donc la partie militaire est très, très importante. Et on voit que dans cette période, on a une amélioration de la préparation technique, parce que la guerre maintenant, c'est un problème de canons, d'artillerie, de défense, de génie, etc. Et justement, pour l'artillerie, il est très important de voir la mécanique. Et on ne peut pas faire de la mécanique sans de l'analyse. Donc, tandis que dans les universités, on a des difficultés à introduire dans l'enseignement les calculs différentiels, c'est plutôt dans les écoles d'artillerie qu'on peut enseigner les calculs différentiels et donc les méthodes analytiques qui sont importantes pour les calculs différentiels. Oui, si on n'a pas les coordonnées cartésiennes, on n'a pas les calculs différentiels. Et alors, Lagrange, oui, est chargé des cours de mécanique. Il n'est pas professeur, hein, il est assistant professeur. Et il est invité à rédiger un cours d'analyse, hein, un cours de mécanique. Il rédige les cours d'analyse et aussi les cours de mécanique. Nous avons les cours d'analyse qui comprend aussi la géométrie analytique, la géométrie cartésienne. Nous n'avons pas plus les cours de mécanique. Oui, on cherche encore. Les cours d'analyse a été publié par Maria Teresa Borgato, qui est là, il y a quelques années. Et il est très intéressant parce que pour l'évolution je vous dis quelque chose sur ces manuscrits qui se trouvent justement à la Bibliothèque royale de Turin, hein, dans laquelle on a maintenant l'exposition. C'est conservé dans les collections privées de l'ami de Lagrange qui s'appelait Saluzzo. Il l'a donné à son fils. Son fils était précepteur des fils du roi Charles-Albert, qui sont Victoire Emmanuel II, hein, II, qui était le premier roi d'Italie, de l'Italie unifiée, et de Ferdinand, duc de Gênes, qui était le frère, et qui était très, très intéressé aux mathématiques. Alors oui, le précepteur donne ce livre, ce manuscrit de Lagrange à Ferdinand, duc de Gênes, qui le garde dans sa bibliothèque. C'était un filier cadet de la famille de Savoie. Et il est entré dans la bibliothèque publique seulement après la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça que ce manuscrit n'a pas été étudié soigneusement. Et justement, a été Madame Borgato, la première qui l'a publié. Et là, vous avez Carl Alberto. Et je vous dis que ce manuscrit est important parce qu'il marque oui, il commence avec une définition de fonctions, hein? D'après Euler. Oui. Fonction, c'est une expression analytique, etc. Et il suit plutôt, au point de vue conceptuel, le modèle newtonien. Et alors, oui, vous savez que le dernier volume qui a été écrit, la monographie de référence pour la théorie, pour Lagrange et ce qui concerne les méthodes analytiques, c'est justement la théorie des fonctions analytiques, hein, qui a été publiée à Paris. On reviendra sur ça. En 1797 pour l'école polytechnique. Mais la théorie des fonctions qui Lagrange veut substituer au calcul de Newton et de Leibniz, différentiel et des fonctions, et a une histoire assez longue dans la formation de Lagrange. Dans la période de Berlin, elle a publié un mémoire qui va dans la même direction de la monographie, mais une historienne assez prolifique, mais très importante, de mathématiques, en anglais, qui s'appelle Philippe Jourdain, avait déjà observé que, pas dans une mémoire de Lagrange, mais dans une mémoire d'un élève de Lagrange qui s'appelait Foncenet, il y avait aussi la source de la théorie des fonctions analytiques dans les années de Turin. Donc, en suivant l'exposition de Jourdain, on a, qui ne connaissait pas les volumes de l'école d'artillerie, on a pu essayer de continuer de retracer la continuité, oui, des idées de Lagrange, qui part de Newton et qui arrive à la théorie des fonctions d'une façon continuelle, parce que Lagrange, oui, ne laissait jamais les sujets qu'il avait étudiés. Hein. Il continuait, quelquefois il laissait de côté, mais il retournait sur les sujets. Vous avez, à Turin, j'ai dû faire une exposition il y a quelques jours. Et je me suis posé aussi le problème d'un rapport entre Euler et Lagrange. Hein. Ce n'est pas un sujet nouveau, un sujet très connu de l'histoire des mathématiques. Et la première fois qu'il est pris en examen, c'est justement quelques jours après la mort de Lagrange, quand Jean-Baptiste Biot et Denis Poisson écrivent la première commémoration qui a été publiée de Lagrange. Et ils se posent déjà la question. Hein. Mais même dans les funérailles de Lagrange, dans l'intervention de Laplace, il y avait quelque chose, quelques mots sur cette question. Ça. Alors, on peut dire, en présentant les choses maintenant, qu'il s'agit de deux manières de, voir, de travailler sur les mathématiques. La manière d'Euler, c'est de ce qu'on appelle maintenant le problem solving. Oui? Il s'occupe des problèmes à résoudre. Hein? Déjà, ils sont des problèmes compliqués, hein? Déjà du début du travail d'Euler. Oui? Parmi les premiers travaux d'Euler, on trouve la fonction gamme, c'est que le genre appellera la fonction d'un gamme. Quel est le problème alors? C'est vous avez les factoriels, il faut trouver une fonction interpolatrice du factoriel, des nombres naturels. Mais aussi le problème de la constante d'Euler, Euler-Mascheroni constant, oui, oui, vous avez la divergence de la série des nombres entiers, des réciproques des nombres entiers, cette divergence, moins les logarithmes n, oui, tendent à une constante. Et donc, on retrouve cette constante. Mais dans tous les ouvrages d'Euler, aussi dans les ouvrages didactiques, par exemple, dans l'introduction de Introduction in Analysis Infinitorum, il y a la première classification des courbes, des courbes planes du quatrième degré. Hein? Dans les ouvrages d'Euler, la plus élémentaire, qui sont les éléments d'algèbre, on trouve la résolution du problème de Fermat, la réponse négative au problème de Fermat pour n égale 3. Donc oui, Euler, c'est une machine pour la solution des problèmes, des grands problèmes. Mais oui, il est supérieur à Lagrange pour les choses qu'il a découvertes, bien nettement. Mais quand même, quand vous lisez les ouvrages d'Euler, vous trouvez toujours des choses incomplètes, des choses à définir mieux, des choses qui sont laissées là. Oui. La méthode d'approche de Lagrange en mathématiques n'était pas le problem solving, mais était le développement des théories. Donc, il n'ignorait pas qu'il y avait des problèmes à résoudre. Par exemple, surtout sur les problèmes qu'il avait dans la mécanique céleste. Il avait des problèmes très concrets aussi pour l'algèbre, pour la théorie des nombres. Donc, il ne faisait pas des constructions générales inutiles. Mais quand même, oui, son approche était le développement des théories. Le développement. Et pour ça, Lagrange est bien supérieure à Euler. Hein? Parce que oui, quand vous lisez un ouvrage de Lagrange, vous avez un peu tout répertorié. Vous reconnaissez aussi les limites. C'est plus facile de connaître les limites des ouvrages de Lagrange plutôt que les limites des ouvrages d'Euler. Vous prenez les institutions calculi differentialis. Enfin, c'est une série d'exercices. Hein? Vous prenez la théorie des fonctions analytiques, c'est un corps de doctrine de laquelle vous pouvez essayer de trouver aussi les limites. Et alors, oui, sur cette question, oui, on peut peut-être retourner, mais quand même, oui, il est bien précisé ces choses-là. Alors, Lagrange, oui. Le portrait qu'on a fait de Lagrange était dans les bons et dans les biens et dans les mal, était d'un homme qui pensait seulement à ses recherches, à ses choses, à ses problèmes. Il n'était pas intéressé aux choses qui arrivaient autour de lui. Il était soigné seulement de son travail. Ce portrait n'est pas vrai, n'est pas véritable. Oui, Lagrange avait un petit peu cette caractéristique de vouloir garder son ambiance de travail indépendant, et ça était sa priorité, on peut dire. Mais quand il a eu la possibilité de le faire, il s'est engagé aussi pour la promotion culturelle des amis, de ce qu'il y avait autour de lui. Le premier de cet engagement, c'est la création à Turin de la société privée. L'université de Turin, oui, ne donnait pas des études très, très importantes pour les mathématiques. Non? On avait quelques professeurs qui enseignaient, oui, un peu de géométrie euclidienne, un peu d'algèbre cartésienne, mais pas beaucoup. Hein. Et aussi, je vous disais, Beccaria, qui était le grand professeur pour la partie scientifique, il était, oui, il n'était pas compétent vraiment sur les mathématiques. Et surtout, il avait un professeur très puissant et très, comment on peut dire, très... En Italie, on dit un baron, c'est-à-dire ce qui domine et qui ne permet pas de sortir au dehors de ses compétences. Non? Il a un guide très sévère des élèves dans un endroit qu'il ne permet pas de frapper par ses élèves. Oui, ça, je crois, n'est pas une caractéristique seulement de l'Italie. Et alors, oui, il ne se rencontre pas à la grange avec Beccaria, et aussi il y a des jeunes éléments, Saluzzo, Cigna, qui sont des jeunes qui veulent connaître l'avenir aussi des sciences, et ils s'organisent privatement avec une académie, hein, qui se réunit dans la maison de Saluzzo. Hein. Si vous avez lu, je pense, l'article « Académie » qui se trouve dans l'encyclopédie, hein, vous trouvez une affirmation très intéressante. L'Italie est la patrie des académies. Oui? Et vous trouvez une longue énumération des académies, parce que chaque pays avait ses académies. On a un ouvrage en 5 volumes. On a répertorié le nom des académies des Italiens. Mais justement, ces académies étaient des lieux privés de réunions. Hein. Presque rien à voir avec l'Académie des sciences ou aussi la Royal Society ou les académies européennes. C'était des endroits très petits qui s'étaient réunis autour de quelqu'un et qui en général terminaient après quelques années ou bien sûr avec la mort de l'organisateur. Et les académies étaient surtout littéraires, on faisait surtout de la musique, de la littérature, etc. On composait des sonnets, des petites pièces théâtrales. Mais quelques académies avaient une nature scientifique, et parmi elles, celle de Turenne, qui a été organisée, oui, à la maison de Saluzzo, et qui pouvait être une de nombreuses académies qui étaient là. Mais enfin, la participation de la grange et aussi l'argent de Saluzzo ont permis de sortir de cet endroit limité, et parce que la société privée, c'est le nom de l'académie privée qui s'est formée à la maison de Saluzzo en 1757, a réussi à publier une série de volumes des actes de l'Académie, qui sont les Miscellanea Taurinensia, voilà, et qui sont, on a un certain nombre de volumes qui ont été publiés avant que la société privée est devenue l'Académie de Turenne, l'Académie des sciences de Turenne. Ça est arrivé seulement en 1783. Il faut donner des précisions sur cette société, sur le début et sur sa transformation en Académie des sciences de Turin. Alors, le modèle de la société privée n'était pas l'Académie des sciences de Paris. Était plutôt l'Académie des sciences et belles lettres de Berlin. C'était, on reviendra sur cette question-là. Parce que oui, quand on parle de Turin. Mais pour le moment, il faut dire que n'est pas limité aux études des sciences exactes, mathématiques, astronomie, etc., mais comprend aussi des essais de philosophie, des essais de géographie, hein, qui a la caractéristique de l'Académie de Berlin. Suivant la sortie de ce volume, le premier volume, hein, della miscela qui est sorte en 1759 contient un grand mémoire de Lagrange, hein, qui a fait sa première publication, hein, parce que juste à ce moment, on a la correspondance privée, on a les manuscrits de Turenne, on a la lettre avec peu de chance à Fagnano, mais ça, c'est la première grande mémoire, la première publication vraie de Lagrange, et qui concerne la théorie des cordes vibrantes. Hein. C'est une question très importante à l'époque, parce que vous trouvez là, qui travaillent sur ça, D'Alembert, hein, Euler, Daniel Bernoulli. D'Alembert a écrit la solution classique de l'équation de la corde vibrante. Hein. Daniel Bernoulli a repris des études de Taylor et il a essayé de démontrer que les solutions, les séries des solutions avec des séries trigonométriques, on peut dire maintenant, oui, et était le moyen de trouver la solution de cette équation-là. Il avait raison, mais tout le monde lui donnait tort. Parce que oui, l'idée des fonctions était alors l'idée d'une expression analytique. Hein? Tandis que, si vous suivez les séries trigonométriques, vous aboutirez à des fonctions qui sont discontinues. Hein? Et qui n'ont pas une représentation analytique. Alors là, on a des différents points de vue. Hein? Et en quelque sorte, Lucine, quand il faisait ses leçons d'analyse à Moscou, précisait, essayait de donner une idée de cette question de la manière suivante. Il disait, vous voyez, la méthode de Lagrange de supérer la solution d'Alembert est de considérer une succession de solutions qui ont une certaine limite qui n'est pas une fonction analytique dans le sens, oui, de l'époque. Hein? Et tandis que Euler avait plutôt l'idée d'une solution faible, hein, pour admettre aussi ce qu'il appelait les fonctions qui ne sont pas continues. Hein. Mais quand même, oui, on a une discussion très importante et très poussée, hein, sur la question des équations à dérivée partielle de la diffusion d'Husserl, qui est justement la première équation, et on peut dire la seule équation différentielle aux dérivées partielles qui est étudiée profondément et complètement, d'une certaine façon, dans le XVIIIe siècle. La publication de cette mémoire permet à Lagrange d'être connu, et la diffusion des Miscellanea permet à Lagrange d'être connu, hein, par les mathématiciens de l'Europe. C'est justement D'Alembert qui connaît pour Lagrange à travers la publication de sa mémoire. Mais aussi Daniel Bernoulli, qui est alors à Basel, hein, qui connaît aussi, et il écrit. Hein, il y a une correspondance entre Daniel Bernoulli et Lagrange qui commence, c'est très petit, il faut le dire, mais il a une longue correspondance qui lie D'Alembert et Lagrange, hein, qui est en cours aussi de réédition, de l'édition des ouvrages de D'Alembert. Je vois avec Priscille Christian-Gelin parmi vous, qui nous a déjà invités à parler de Lagrange en Poincaré ce printemps, et qui est un des protagonistes de l'édition de D'Alembert. La correspondance de D'Alembert, oui, ça c'est l'encyclopédie, qui a eu des éditions en Italie. Hein, donc, alors, la correspondance de D'Alembert avec Lagrange, c'est un des chefs-d'œuvre, hein, des correspondances, parce qu'il parle des mathématiques, bien sûr, mais il parle aussi de la société, de la culture, Je trouve que c'est la meilleure pièce de correspondance qu'on connaît, avec celle qui rattache Condorcet et Turgot. Ce sont des correspondances qui sont très profondes. On touche des thèmes très importants, soit de la science, soit de l'économie, soit de la culture. Et elle continue jusqu'à la mort de d'Alembert, jusqu'à 1783. Et cette correspondance qui occupe aussi déjà un volume entier des œuvres de Lagrange qui ont été publiées au siècle passé. Et Lagrange visite aussi Paris en 1764. Il revient à Turenne. Et à Turenne, on cherche le chargé de l'édition des œuvres de Leibniz, mais il refuse. Et le Dutens qui a pris soin de cette édition des œuvres de Leibniz nous a donné cette préface. Et la période de Turenne termine avec deux découvertes, on peut dire, de Lagrange, qu'il change d'avis sur les fondements de la mécanique, justement pas dans un ouvrage d'analyse, mais dans un ouvrage de mécanique céleste. Quand il a écrit son premier essai sur la libration de la Lune, c'est là qu'il change d'avis sur les principes de la mécanique. Il substitue ce qu'on appelle maintenant le principe de vélocité virtuelle au principe de variationnel de la moindre action. Et aussi, lui, dans la dernière période, il y a une autre importante définition de Lagrange, c'est l'opérateur adjunto qui se retrouve dans sa mémoire de Turenne, la dernière publiée avant de son départ. Donc, oui, pour terminer sa première part, oui, la période de Turenne n'est pas une période, on peut dire, d'un jeune homme qui va apprendre les mathématiques, mais c'est la période des mathématiciens déjà bien formés. Et des ouvrages les plus importants de Lagrange ont été publiés dans cette période. Donc, les études sur l'intégration des équations différentielles à différence finie, je n'ai pas parlé de ça, les études sur la nature et la propagation du son, nouvelles recherches, on a aussi toute une polémique, donc plusieurs mémoires de Lagrange sur le son. L'essai d'une nouvelle méthode pour terminer les maxima et les minima, vous voyez, ça c'est l'essai sur ce qu'on appelle maintenant les calculs de variation, qui n'est pas long, vous voyez, moins que 30 pages. Les applications de la méthode des variations à la solution des problèmes de dynamique, et vous voyez, sont plus que 100 pages. La solution des différents problèmes du calcul intégral, on trouve déjà des questions de mécanique céleste. Parce que, oui, dans cette période, oui, il a écrit déjà sa mémoire sur la Lune, sur la libration de la Lune, qui a été publiée quelques années après et qui a reçu le prix de l'Académie des sciences de Paris. Puis, il s'est occupé aussi des ouvrages des élèves ou des amis. Il a écrit, oui, il a contribué à écrire les ouvrages de Fontenay sur les quantités imaginaires, sur les fondements de la mécanique, et on trouve aussi les ouvrages manuscrits, Principia di analisi sublime, les recherches de la libration de la Lune qui était alors manuscrit et qui sera publié dans les années de Berlin. Donc, oui, la période de Turenne termine avec la lettre que d'Alembert lui écrit en 1766. Frédéric Ley avait perdu Euler, qui était retourné à Saint-Pétersbourg. Il cherchait un mathématicien important. Il s'adresse à D'Alembert, qui ne veut pas laisser Paris, ne veut pas partir pour Berlin. Alors c'est D'Alembert qui dit à Frédéric II, Oui, et il faut appeler Lagrange, qui n'est pas content maintenant de Turin, oui, parce que ses revenus étaient restés à Turin, celle des premières années. Hein. Il avait eu une place à l'école d'artillerie d'assistante, à peu près 900 livres français de l'époque, qui étaient restés les mêmes. Hein. Tandis que Frédéric II lui offre 6000 livres. Pour être directeur de la classe de l'Académie de Berlin et pour faire pour des précisions sur les ménages de Lagrange, il maintient les 6000 livres jusqu'à la fin de la période de Turin. Quand il vient en France, il a encore les 6000 livres, donc il ne marche pas sa rétribution. Et elle tombe aussi dans la période de la Révolution pour des questions bien connues des assignats, etc. Et sa situation patrimoniale change avec quand il est nommé au Sénat, hein, en 1799. Alors c'est autre question, autre salaire, autre rétribution. Et bien, alors oui, D'Alembert, oui, propose la nomination de Lagrange. Lagrange, oui, en quelque sorte, est retenu à Turin parce que le roi, qui ne veut pas augmenter son revenu, ne veut pas perdre Lagrange quand il sait qu'il est demandé par des grands rois de Frédéric de Prusse. Mais enfin, il accepte et Lagrange part pour... En 1760, dans l'été 1766, part pour Berlin. Il fait un voyage intéressant. Il arrive à Paris, rencontre d'Alembert. Il va à Londres, où il connaît les mathématiques de Londres, qui ne sont pas vraiment à l'avant-garde dans cette période, mais quand même on a des mathématiciens importants, Waring par exemple. Et puis il arrive à Berlin, il va par navire de Londres jusqu'à Hambourg. Hambourg, il descend à Berlin. Hein. Et à Berlin, il vit pour plus que 20 ans. Oui. Ça, c'est la seconde partie. Oui. Alors, on doit changer les... Peut-être pour vous permettre de souffler un petit peu, de boire un verre, on peut demander si des gens ont des questions. Pas de questions, tout était clair. Oui ? J'ai une question dans terminologique. J'ai vu que des écrits de Lagrange s'appelaient les principes d'analyse sublime. Quelques décennies plus tard, Avogadro est titulaire d'une chaire de physique sublime à Turin. Et je voulais comprendre ce mot sublime, ça veut dire fondamental dans le langage du temps. Qu'est-ce que ça veut dire sublime? Oui, donc le titre peut-être a été ajouté dans une période qui n'est pas la période de Lagrange. Hein. Mais quand même, oui, oui parce que c'est un manuscrit que si vous voyez le manuscrit, voilà, vous voyez que le titre c'est plutôt ajouté. Hein? Mais quand même, oui, en Italie, il y a une tradition dans les études des universités. On appelle sublime les choses qu'on peut dire élevées, hein, principe des mathématiques élevées, donc pas fondationnelles, mais surtout la partie plus élevée de la discipline. Ça, c'est ce qu'on appelle puis, sublime. Et on l'emploie pour les calculs différentiels, oui, qui est la partie sublime de l'analyse. C'est proche du sens sublimation en chimie, en fait, hein, on extrait de... Oui, la partie supérieure, oui, pas les fondements, oui, pas les fondements. Monsieur, je voudrais vous demander quelle est la contribution de Lagrange à l'équation de la corde vibrante, finalement. Qu'est-ce qu'il a fait sur ce sujet? Ah oui, il a écrit deux ou trois mémoires qui sont à peu près 300 pages, hein. Et il, oui, il a essayé de raccorder oui, la position de la solution classique de D'Alembert que vous voyez. C'est une solution qui demande oui, la solution classique de D'Alembert demande que la fonction a du moins des dérivées pour pouvoir faire la substitution là. Hein. Tandis oui qu'on savait que des séries oui des fonctions trigonométriques donnaient des bonnes solutions et c'est un accord de la réalité physique, non? Que le sens peut être obtenu par des surpositions d'harmoniques des différents endroits. Et la mémoire de Lagrange est curieuse pour certains aspects. La première, parce qu'il arrive à trouver ce qu'on appelle les coefficients de Fourier, hein, de la série de Fourier, mais il dit, ah, ça démontre que ne peut pas être possible suivre le point de vue de Bernoulli, parce que c'est impossible qu'en fonction peut avoir cette caractéristique. Non? Les fonctions sont liées à des expressions analytiques. Vous n'avez pas d'expressions analytiques pour les sons. Non? Je ne peux pas dire plus sur cette question, mais parce que c'est... Il y a aussi des applications concrètes parce que dans cette période, on veut étudier aussi les sons, surtout des instruments à cordes. Hein? Tandis que les études des instruments à flûte oui, sont rattachées à les instruments à cordes dans un deuxième moment. Et on a aussi des tentatives d'application oui, à des sujets particuliers. Oui? Mais vous savez que c'est une question qui a été longuement étudiée par les historiens des mathématiques et pas seulement par eux. Par exemple, quand dans sa mémoire qui introduit les calculs, l'intégrale qu'on appelle de Riemann, hein? Riemann a fait une petite histoire, pas très petite, oui, de comment on arrive à calculer les coefficients des séries de Fourier, qu'on appelle les séries Fourier, qui demandent l'intégration des fonctions qui ne sont pas nécessairement continues. Hein? Et puis aussi, si vous lisez les mémoires sur les séries trigonométriques de Lebesgue, il y a une très longue exposition sur la corde vibrante, le début de la théorie des cordes vibrantes. C'est une question très, très, très étudiée, pas seulement au point de vue historique. Si je peux reposer une question, vous avez mentionné dans un des premiers travaux de Lagrange des applications à la mécanique. Sur quoi portaient ces applications? Et en particulier, est-ce qu'elles concernaient ce qu'on appelle maintenant l'équation d'Euler-Bernoulli, qui est l'équation qui décrit Euler-Bernoulli, qui décrit les mouvements d'une poutre vibrante, et qui est une équation qui ressemble un petit peu à celle-là, sauf qu'elle a des dérivées quatrièmes en X. C'est une équation de ce même type, avec une... Ça, c'est une équation classique de la mécanique des systèmes déformables qui s'obtient en une ligne de calcul par le principe variationnel. Donc, je me demandais si Lagrange avait déjà fait cette observation. Les applications de la mécanique, ce sont plutôt des applications des principes variationnels. Hein? Donc, elles touchent essentiellement des problèmes de mécanique qui on peut résoudre à partir des principes variationnels, pas en étudiant les équations, mais en essayant de trouver un minimum de certaines fonctionnelles. J'entends bien, mais justement, cette équation d'Euler-Bernoulli, elle s'obtient par un principe variationnel simple, en faisant intervenir le carré de la courbure de la poutre. Donc ça aurait été tout à fait naturel que Lagrange trouve ça, enfin retrouve ça, et je me posais la question, l'a-t-il fait? Je ne sais pas répondre à cette question en détail, mais vous pouvez lire la mémoire de Lagrange. Qui n'est pas difficile, parce que c'est une mémoire où la terminologie est presque la même que maintenant. C'est une mémoire de plus de 100 pages, je vous disais. Oui, il y a de nombreuses applications. D'accord. Oui, mais c'est surtout sur ce qu'on appelle la présentation de la mécanique. Vous savez, il y a des courants sur les principes de la mécanique qui se rencontrent et qui ne sont pas en accord. Pas maintenant. Et on doit partir des équations de Newton, et donc faire la théorie à partir des équations différentielles. On doit partir d'un principe variationnel. Ce sont les deux points de vue qui sont différents. Et Lagrange était très placé dans la seconde question, dans la seconde manière de présenter les principes de la mécanique. Et donc, il a soin de démontrer l'utilité générale de ce principe en essayant de démontrer nombreuses applications. D'accord. Bon, je pense qu'on peut passer à la partie Lagrange à Paris. Non, à Berlin. Ah, à Berlin, oui. Je croyais qu'on passe direct. Bon, d'accord. Berlin. Donc ça doit être le 2. Le 2. C'est logique. Voilà. Merci. Donc Lagrange arrive à Berlin en 1776. Il arrive dans une académie qui a une histoire assez compliquée. On avait essayé de former la première académie de Berlin au début du XVIIIe siècle. C'est Leibniz qui avait donné l'idée et aussi le projet, avait fait le projet pour l'académie de Berlin. Et le projet de Leibniz est très intéressant parce qu'il dit les académies des sciences qui se formaient au XVIIe siècle se formaient dans une période dans laquelle l'aristotélisme était très fort dans les universités et dans les instituts culturels. Donc, pour faire progresser en quelque sorte la recherche, elle a dû se limiter aux sciences exactes. Maintenant, on n'a plus vraiment un problème d'aristotélisme. Donc, on peut essayer d'avoir à côté des sciences exactes aussi les sciences philologiques, historiques et de la philosophie. Oui? Ça, c'est l'idée de Leibniz. Et c'est une idée nouvelle. Sur cette idée, il a essayé de fonder l'Académie de Berlin, qui justement s'appelle Académie des sciences belles et lettres, et qui a un côté philologique, un côté philosophique, un côté science. Et Leibniz n'a pas réussi à fonder cette académie. Il a réussi à faire partir un petit peu la chose en 1710. Et puis on a eu une longue interruption. C'est Frédéric D qui a repris le projet. Et aussi, du point de vue de Leibniz, une académie qui n'est pas seulement dédiée aux sciences exactes. Et là, vous avez une petite histoire, la mort de Sophie Charlotte, la guerre de succession d'Espagne retardèrent le commencement des travaux de l'Académie, qui fut repris en 1744. Elle a eu comme président Maupertuis et comme secrétaire formé. Et Frédéric D fut le protecteur de l'Académie. L'Académie parlait seulement, était obligée d'écrire en français. La langue officielle de l'Académie était le français, pas le latin. Oui. Et les volumes, les actes de l'Académie ont été publiés. Maurice Pertuis a eu la présidence de l'Académie. Formé, que vous disiez, était le secrétaire. Hein? Mais quand Lagrange arrive là, il n'y avait pas de vrais mathématiciens qui étaient dans l'Académie. Hein? Donc, bien, Frédéric Dier avait bien fait à appeler Lagrange, parce que le seul mathématicien important qu'on avait à l'Académie était Lambert. Lambert qui était alsacien, mais qui était un sujet assez difficile. Hein? Il y a dans les mémoires des contemporains, il s'exprime mal, il est très un sujet difficile à ménager. Donc, Lagrange ne trouve pas personne à Berlin. Hein. Il ne l'avait pas à Turin, des vrais correspondants. Il a dû chercher au dehors et il doit continuer à chercher au dehors de Berlin des correspondants pour ses travaux mathématiques. Mais heureusement, maintenant, il a la correspondance avec D'Alembert, qui continue, et c'est une correspondance régulière. Il y a la correspondance encore active avec Euler, qui est à Saint-Pétersbourg, mais continue, pas avec une grande régularité, mais la correspondance va continuer. Et puis, il y a de nouveaux correspondances qui sortent avec Laplace. Maintenant, on a publié les deux volumes de la correspondance de Laplace par les soins de Roger Hahn, qui malheureusement n'est pas plus là, mais les volumes sont très importants. Et si vous voyez la correspondance, du côté correspondance de Laplace, la plus importante correspondance scientifique de Laplace avant la période de la Révolution, c'est justement avec celle avec Lagrange. Il y a des thèmes, des sujets à commun, je pense qu'on parlera de ça aujourd'hui. Il y a une correspondance avec Condorcet. Condorcet, dans la première période, est intéressé aussi au calcul différentiel. Et il a écrit un bon livre. Et Lagrange, lui, correspond avec Condorcet, mais enfin, il n'aura pas plus de grands rapports, tandis que la correspondance avec Laplace va continuer. La manière de travailler à Lagrange, oui, les correspondants n'étaient pas à Berlin. Ça, c'est la question. Donc, Lagrange organise sa vie d'une manière très méthodique et il se dédie essentiellement à ses études. Dieudonné Thibault nous a donné la description de la vie de Lagrange à Berlin, hein, parce que je le lis parce que c'est plus facile. Les journées de M. de Lagrange étaient réglées et remplies par un plan très uniforme. Ces matinées étaient consacrées à sa correspondance et à la lecture, occupation qu'il perçoit aux heures où on peut être distrait, parce qu'elles peuvent être interrompues sans de graves inconvénients. Immédiatement après le dîner, il donna quelques heures aux visites. Il était presque végétarien, pour ce qui est intéressé, qu'il avait à faire, et à une promenade qu'il faisait seul, parce qu'il croyait devoir marcher vite, pour que cet exercice lui fût plus salutaire. À 6 heures du soir, il rentrait dans son cabinet et s'y renfermait de manière à ne pas être troublé jusqu'à minuit, où il prenait quelques tasses de thé au lait avant de se coucher. C'est dans ces 6 heures d'une profonde solitude qu'il a fait les immenses travaux dont les mémoires de l'Académie sont remplis et qui lui assurent une si glorieuse réputation. Que dirais-je de plus? Philosophe toujours égal, toujours sage et toujours tolérant, réunissait à son génie pour les mathématiques des connaissances aussi attendues que variées sur les diverses branches de la littérature. Ayant dans un caractère une aménité douce et naturelle, il a été chéri et singulièrement respecté par tous ceux qui l'ont connu et vivement regretté de tout passé dont la destinée l'a séparé. Et donc, l'histoire de à Berlin, sauf qu'il épouse sa cousine Victoria Conti. C'est l'histoire de la Grange à Berlin, c'est l'histoire de ses mémoires. Et c'est peut-être, oui, la partie la plus originale, la plus importante de la production de la Grange, en gros. Et vous avez, dans la période de Berlin, je passe rapidement sur cette question parce que, oui, le temps marche. Et alors, il y a tous les mémoires de mécanique céleste très importants sur le problème des trois corps, les différentes situations, la recherche sur la libration de la Lune, qui a été composée à Turin, mais qui est publiée dans cette période, sur l'égalité des isolétides de Jupiter, sur les problèmes des trois corps, encore sur l'équation séculaire de la Lune, recherche sur la théorie des perturbations que les comètes peuvent provoquer par l'action des planètes. Ce sont 5 prix de l'Académie des sciences de Paris qu'il gagne sur ces moments, avec ces mémoires. Puis il a toutes les études sur les équations, algébriques. Et ce sont les mémoires qui signent le début de la nouvelle théorie des équations algébriques. Vous savez que l'algèbre, c'est la partie des mathématiques qui a plus changé de sujet pendant sa vie. Elle est née comme théorie, des équations. Chez les Arabes, elle restait théorie de la résolution des équations. Pour les algébristes du XVIe siècle, elle restait encore la construction des équations en Descartes, mais quand on a commencé à introduire les coefficients littéraires par Viette, oui, le sujet de l'algèbre s'est un peu déplacé. Oui, l'algèbre est devenue surtout la théorie des modifications des expressions algébriques. Elle est revenue encore à la théorie des solutions des équations, justement avec l'ouvrage de Lagrange, qui a été suivi après par Van der Monde, par Ruffini, par Abel. Et vous avez encore toute la théorie oui, l'algèbre est devenue encore la théorie des solutions des équations, c'est-à-dire que jusqu'à, on peut dire, la moitié du XIXe siècle, dans laquelle vous avez enfin que, oui, la théorie des Galois, la théorie des invariantes, etc., Kummer, etc. Alors, il y a suffisamment de sujets qui modifient encore le sujet de l'algèbre, qui devient, mais seulement au XXe siècle, la théorie, l'algèbre abstrait, l'algèbre que nous connaissons par Noether, par Van der Waarden, par les travaux. Donc, oui, vous avez 5 mémoires très importantes qui sont réunies, enfin, dans les volumes que Lagrange a publié à Paris. Oui, parce qu'à Paris, il a publié un volume sur la résolution des équations algébriques, où il y a un peu les choses qu'il a élaborées, surtout dans la période de Berlin. Puis, il aborde à Berlin aussi un sujet qu'il n'avait pas abordé d'abord à Turin, c'est la théorie des nombres. Vous avez en France, des spécialistes sur la théorie des nombres, je ne vais pas dire beaucoup de choses, mais seulement vous faire remarquer, oui, que ce que je vous disais, c'est Lagrange travaille pour théorie et pas pour problème, c'est quand il trouve des expressions, par exemple la théorie des fractions continues et la théorie des formes, le début de la théorie des formes, c'est qu'il essaye de porter au plus haut niveau le développement de cette théorie, plutôt qu'aborder des problèmes spécifiques, que quand même il étude, mais aussi la démonstration des théorèmes des 4 carrés, tout entier positif peut être exprimé comme la somme des 4 carrés, c'est justement quelque chose qui emploie en effet une identité d'Euler. Dans le domaine de la théorie des nombres, Euler est vraiment supérieur à Lagrange. Mais sur l'histoire de cette partie, je pense que j'aurais plutôt à apprendre en France qu'à enseigner. Alors, Puis, il y a des problèmes maintenant sur les A. Ah, bah, on a changé d'ordinateur, on est passé à la... Et donc, vous ne trouvez pas exactement ce que j'ai écrit. Et donc, un des problèmes qui est étudié à Berlin, c'est ce qu'on appelle la méthode de variation des constantes arbitraires. Hein? Lagrange fera un grand usage jusqu'à la dernière grande mémoire de Paris de la théorie de la variation des constantes arbitraires. Vous avez une équation différentielle, vous cherchez une solution, ça on enseigne ça dans les cours d'analyse, on cherche une solution qui est combination linéaire en quelque sorte des solutions des équations homogènes et on impose des conditions et on trouve la solution, l'intégrale particulière de l'équation différentielle ordinaire. Et ça, c'est dans un mémoire sur les séries récurrentes. Hein? Parce que oui, comme vous avez vu, le principe de la vérité virtuelle, on le trouve dans les mémoires pour résoudre des problèmes de mécanique céleste aussi, pour résoudre des problèmes sur l'application aux théories des G, à l'analyse aux suites récurrentes et aux équations à différence partielle qu'il a introduit de ces méthodes-là. Ça, c'est l'équation de... La première, c'est ce qu'on appelle l'équation de Riccati, qui est très connue par ceux qui travaillent sur des problèmes d'ingénierie, de l'application des mathématiques. Et Lagrange a écrit un mémoire important. Ce que vous avez après, c'est l'inversion de ce qu'on appelle la formule de Kepler, hein, et la série de Lagrange. Et ce sont toutes les mémoires publiées dans cette période. La première, c'est l'expression de la solution que Lagrange donne des équations à dérivée partielle du premier ordre. Hein. Ça, c'est un mémoire très important, oui, parce que je vous disais, je n'avais pas raison. Les équations du deuxième ordre, essentiellement, ce qu'on fait, c'est lié à l'équation du son, l'équation hyperbolique du son, tandis que pour les équations du premier ordre, on a une théorie assez complète hein, de Lagrange hein, sur la solution de cette équation, les cas linéaires, les cas généraux. Hein. Et aussi, bon, j'ai donné un avis très intéressant sur la fonction, l'idée des courbes caractéristiques, etc. Donc la théorie des équations différentielles du premier ordre a été bien développée au XVIIIe siècle. Et là aussi, vous savez qu'il y a des liaisons peut-être avec les calculs des variations, parce que vous savez qu'au point de vue moderne, hein, les points de vue, ce qu'on appelle les points de vue de Hamilton-Jacobi, hein, qui est différent du point de vue de la jacobienne de Lagrange, de la lagrangienne, hein, passe à travers oui, aussi les équations différentielles à dérivée partielle du premier ordre. Hein. Bien. Mais aussi, vous avez, il s'occupe aussi des sujets qui sont presque inaperçus, mais qui sont aussi importants pour la biographie de Lagrange. C'est la solution analytique des problèmes sur les pyramides triangulaires. Hein, les volumes d'une pyramide triangulaire calculés par des moyens seulement analytiques. On peut dire, oui, ça, c'est un exercice. Non, on n'est pas seulement un exercice. C'est dans un projet de recherche. Hein. Lagrange veut montrer que l'analyse, c'est tout la mathématique. Que il dira la mécanique n'est qu'une partie, une quatrième partie de l'analyse. Et il essaie de montrer que aussi la géométrie peut être rendue une partie de l'analyse, hein, des méthodes analytiques. La construction des cartes géographiques qui touche la théorie de la géométrie différentielle et la grande mémoire sur le mouvement des fluides. Hein. Là aussi, il faut remarquer une différence entre Euler et Lagrange. Hein. Euler, bien entendu, a étudié pour le premier oui, c'est essayer les principes de la fluidodynamique au point de vue analytique. Il a écrit des mémoires très importants, hein, en 1750, 60, etc. Mais il avait l'idée aussi, qui sont les équations d'Euler, oui, justement. Mais il avait l'idée d'avoir aussi résolu les problèmes qu'il ne l'avait pas résolu, parce que des problèmes pratiques très, très simples, par exemple, l'écoulement dans un canal normal, un petit canal de l'eau, forme de la vorticité qui n'est pas prévue par les équations d'Euler. Donc Euler, oui, justement, grand résoluteur des problèmes, mais incomplet. Hein? Et Lagrange dit, oui, attention, la mécanique, l'hydrodynamique, l'hydrologie pratique n'a pas fait de progrès jusqu'à ce moment, comme la médecine pratique n'a pas fait de vrais progrès depuis les temps d'Hippocrate. Hein? Donc il savait bien que le progrès de l'hydrodynamique n'était pas suffisant pour... Tandis qu'Euler a écrit une mémoire sur l'écoulement des fleuves. Donc il a grande capacité de présenter les problèmes, mais aussi des limites sur l'interprétation générale qui ne sont pas là. Et là, vous avez les points de vue de Lagrange sur le mouvement des fluides. Moins connues sont les recherches sur les moyens d'appliquer les mathématiques aux problèmes sociaux, hein, que c'est une partie très importante pour le XVIIIe siècle. Heureusement, maintenant, par les études de Pierre Keppel, du groupe qui a travaillé, et encore une fois, je dois mentionner Gillen, Christian Gillen, sur Condorcet, on a perçu d'une manière différente les contributions de la seconde moitié du XVIIIe siècle aux problèmes des discrétisations, des applications des mathématiques aux sciences humaines. Ben, puis, au point de vue de Lagrange, le problème a été étudié par Maria-Teresa Borgato. C'est un problème qui touche aussi Euler, parce qu'Euler même s'est bien intéressé à ces problèmes, aussi pour une question très intéressante, qui est la question des pensions. Hein. En Allemagne, dans la moitié du siècle, on cherche de donner une régulation des pensions. Hein, on commence par les veuves des militaires, hein, qui doivent être garanties dans leur existence. On passe aussi aux veuves des pasteurs protestants et aussi des professeurs des universités. Ce sont les premiers groupes qui demandent une pension. Hein. Et Euler a consacré des études très intéressantes sur cette question-là. Et la Prusse a essayé de donner des organisations qui ont été présentées et qui Lagrange même s'est intéressé sur ces choses-là. Et le manuscrit a été récemment publié par Maria-Teresa Borgato et constitue, au point de vue de cette célébration du bicentenaire, peut-être un des apports plus nouveaux à la connaissance des activités de Lagrange, du moins pour la partie moins connue de ces activités. C'est un volume qui se trouve maintenant aux archives de la bibliothèque de l'Institut de France. Mais avec la mort de d'Alembert, hein, 1783, et de Frédéric Deck, oui, 1786, la période de Berlin va terminer. Le nouveau roi, c'est libertin et religieux dans le même temps. Il veut interdire certaines libertés dans l'ambiance intellectuelle, mais... Et la liberté que Frédéric Day avait assurée à son académie n'est pas perçue comme qu'elle pouvait continuer. Donc Lagrange cherche une place dans l'autre côté. Et c'est Mirabeau, qui est le comte de Mirabeau, qui était alors envoyé secret, on peut dire. Il avait des missions secrètes à Berlin, oui, qui découvre que Lagrange veut partir de Berlin et cherche de le faire appeler à Paris. Vraiment, oui, ce sont les mémoires secrètes de Mirabeau, où il dit, oui, Lagrange est sur les pieds de partir, etc. Et c'est le conte de Stern. Le conte de Stern, c'était l'ambassadeur, oui. Et je vous disais que Mirabeau n'avait pas une charge officielle, l'ambassadeur et le plénipotentiaire était le comte de Stern, et qui écrit au comte de Vergennes, hein, « J'ai l'honneur de vous mettre sous les yeux le désir d'un homme de mérite distingué, monsieur le comte, c'est Lagrange, né à Turin, mais cependant originaire français, lequel est de l'Europe entière le plus grand géomètre de nos jours. Frédéric D, croyant qu'il était de sa gloire de composer l'Académie de Berlin, les gens de mérite firent rechercher M. Lagrange, lorsque le célèbre Euler quitta Berlin pour l'établir en Russie. Il jouit depuis longtemps d'une pension de 6 000 livres qu'il gardera aussi en France. Très intéressant la dernière partie. Son caractère est la raison même, d'où il résulte que toute cabale lui est inconnue. Pour vous donner une idée de la paix de son âme, c'est qu'étant à Berlin depuis 20 ans, il n'a pas écrit une seule fois à Frédéric II. Et c'est peut-être le seul homme célèbre qui n'a pas cherché à recevoir quelques éloges de la main de ce monarque. Enfin, c'est le mérite de Clairaut et de Lambert séparé de leurs inconvénients. Et ça donne aussi bien l'idée du caractère de Lagrange, hein, qui n'a dédié aucun de ses ouvrages aux souverains. Hein, tandis que vous savez que la place a dédié la mécanique céleste en partie à Napoléon, mais n'est pas le seul. Aussi Kant, le grand Kant, le solitaire Kant, a dédié des princes allemands ses ouvrages de philosophie. Donc, oui, dans la période de Berlin est terminée aussi la mécanique analytique de Lagrange. Hein. Il pense de la publier à Paris et c'est seulement à Paris qu'elle sera publiée. Et là, le principe de vélocité virtuelle, etc., les lois de Newton. Et autre chose, on dit souvent, oui, Lagrange, on cite souvent la préface de Lagrange, il dit on ne trouvera pas de figure là, oui, c'est justement le programme de recherche de Lagrange. La mécanique doit devenir part de l'analyse, hein. Donc les figures ne sont pas intéressantes, hein. Et l'ouvrage est sans figure. Mais enfin, quand il travaillait au problème de mécanique, il faisait des figures, hein. Dans les manuscrits de l'Institut de France, on trouve et on a publié un certain nombre de ces figures, hein, qui servaient aussi pour l'édition de la seconde édition de la mécanique. Donc, ça se termine Berlin parce qu'il oui, il part, oui, Mirabeau et Stern, oui, gagnent à la France Lagrange, hein, au même prix que Frédéric D. C'était une bonne affaire. Et donc, oui, c'est plutôt, oui, il s'installe à Paris, mais ce n'est pas l'ambiance scientifique qu'il a recrutée. Hein. Il arrive avec voie diplomatique, on peut dire. En France, bien sûr, il y avait Vortices et Tourbillon, on me fait remarquer. Excusez-moi, j'essaie de parler votre langue, ça mérite, mais c'est le seul moyen de me faire comprendre un petit peu. Alors, je vous disais, il arrive à Paris, mais pas parce qu'il est demandé par Laplace, par Monge, par Van der Monde, par Bossuet, par le mathématicien Goethe. le tengo corrispondenza perché l'iniziativa ne parle pas de l'ambiance de France. Aussi pour la question, pour l'ambiance scientifique, parce qu'il ne connaissait pas les questions de Berlin. C'est justement, oui, Mirabeau qui connaissait qu'il était inquiet à Berlin. Les autres pensaient qu'il était encore directeur de la classe, de l'académie, et il pouvait bien rester à Berlin. Alors, dans la première période, il publie, vous avez vu la mécanique analytique, par les soins aussi de Barry et de... Et j'ai étudié un petit peu la question de la période de Paris parce que Taton nous a donné une inventaire chronologique des ouvrages de Lagrange auquel j'ai fait joindre un supplément à la bibliographie. Ce sont les rapports qu'il a fait à la première classe de l'Institut dans lesquels on voit que Lagrange était très soigné dans ses activités de rapporteur et tous les gens très importants de la période des années napoléoniennes, de la période de la Révolution française, sont passés sous son activité de recenseur. Donc, bien sûr, la place a joué dans cette période un rôle préminente, mais Lagrange aussi était là, était très vif dans cette période française de la France. J'ai clarifié aussi la question de la nationalité française de Lagrange, parce que pendant la période de la Révolution, alors, il s'installe, nous procédons un peu pas à pas. Alors, il s'installe dans la rive droite. Lagrange, les maisons de Lagrange sont surtout dans la rive droite de Paris, parce que l'académie est au Louvre. Et il meurt rue Faubourg Saint-Honoré, sa dernière demeure à Paris. Quand il arrive à Paris, il pense que les mathématiques sont plutôt terminées. Ça, c'est l'idée qu'il a maturée. Il pense que les projets deviennent analytiques. Tous les parties des mathématiques font l'unification des sciences. Donc, c'est une science à peu près terminée. Et il ne s'intéresse plus vraiment des mathématiques dans les premières années de Paris, sauf après prendre soin de l'édition de la mécanique analytique. Mais il prend soin, au contraire, des recherches qu'on fait dans la chimie. C'est la révolution de Lavoisier, que vous connaissez bien, mais c'est une révolution qui a été faite aussi par l'intermédiaire des mathématiciens. Au cercle de Lavoisier, et dans cette période, on trouve Monge, on trouve Laplace, on trouve même Lagrange, qui donne aussi aux théories de la respiration, la physiologie humaine, une contribution très importante, parce qu'on pensait que l'échange anhydride carbonique CO2 avec l'oxygène venait dans les poumons. Lagrange avait remarqué qu'il s'agit d'une réaction qui donne de la chaleur, donc il n'est pas possible d'être localisé dans un seul endroit, il faut que soit diffusé dans tous les corps. Et en effet, oui, l'échange entre l'oxygène et l'acide carbonique vient dans toutes les cellules. Et c'est un résultat de physiologie qui a le nom de Lagrange. L'académie est chargée dans la première période de la Révolution où plusieurs académiciens font partie des promoteurs, on peut dire, de la Révolution. Vous savez que Bailly est devenu le premier maire de Paris. Talleyrand, oui, a proposé le système des poids et mesures. Et l'Académie a été chargée de ça, et Lagrange a fait partie de, de, la, des différentes équipes qui ont travaillé à la définition du système de poids et mesure. Hein. Il y a une chose curieuse qu'on raconte sur la branche, parce qu'il y avait des gens qui soutenaient qu'il faudrait adopter la division duodécimale par 12, hein, au contraire que par 10. Il a proposé la division par 11, parce qu'il disait, parce que quel est le vrai problème? Le vrai problème de la numération avec les caractères décimales, c'est que vous apprenez tout de suite quelle est la différence entre des nombres en voyant la classification décimale des nombres. Tandis que la différence entre un tiers, un quart, un huitième, un onzième n'est pas facile à retenir. Donc, le fait que 12 a plus de diviseurs que 10 n'est pas important. Et Lagrange, pour faire se remarquer ça, a proposé les 11. Et ça a déterminé la chute de ceux qui soutenaient les 12 et ont vécu ceux qui ont proposé la classification décimale. Donc, les maîtres, autre chose à dire, c'est que pour dépendre l'emploi du système métrique décimal, on a eu à Paris en 1798 le premier congrès international des savants. Ils sont venus ici de Paris, de l'Italie, de la Suisse, de la Danemark, de l'Espagne, etc., pour donner une accueil européenne au système métrique décimal. Mais Lagrange a été aussi chargé en 1792 de la monnaie. N'est pas le seul. Vous savez que Newton a été directeur de la ZEC, de la Mint of London, Royal Mint of London, et que Copernic a fait des essais d'économie sur la monnaie dans la période qu'il était en Pologne. Il a travaillé aussi à l'organisation du calendrier républicain et aussi à l'artillerie, hein, parce qu'en 1793, il a été menacé d'expulsion en tant que Piémontais. Le Piémont était alors en guerre avec la France et il fut menacé d'expulsion, tandis que la Marque aussi a été menacée d'expulsion. Ils ont été sauvés ensemble avec une loi spéciale du Comité de salut public. Lagrange a été chargé d'étudier, oui, les questions d'artillerie intérieure, hein, pas ce qui arrive avant de sortir du canon, de la poudre et des objets. Et il a fait des mémoires remarquables. Un professeur d'Italie, Tanzi Cattabian, qui a étudié ses contributions de Lagrange à la balistique intérieure. Et puis, oui, vous avez que la période de Robespierre termine, et vous avez le directoire, vous avez la nouvelle constitution de l'emploi, et l'école normale est fondée, il est un des premiers professeurs de l'école normale. Vous avez l'école enseignante. Justement, sur ces choses-là, à Paris, il y a des gens qui sont bien plus compétents que moi. On a eu récemment des éditions de ces très importantes leçons qu'on a faites à l'école normale. Il faut rappeler seulement que la formule d'interpolation de Lagrange est un des sujets de ces leçons, que la géométrie descriptive des manches a été pour la première fois exposée dans ces leçons, que les calculs des probabilités de Lagrange ont une présentation générale pour la première fois dans une de ces leçons, et que des mathématiciens faisaient aussi autre chose, Vandermonde était chargé de leçons d'économie. L'école polytechnique n'avait pas siège là, elle était à Palais Bourbon, je crois, mais oui, quand même, oui, c'est pour marquer la théorie des fonctions analytiques qui sortent en tant que livre pour l'école polytechnique et sort très rapidement. Tandis qu'il y a quelques mois, quelques années avant, j'ai remarqué qu'on n'a pas eu une seule édition. Hein. On a rassemblé les dernières parties et on a eu très éditions différentes. Hein. De la première édition, c'est-à-dire pour les bibliophiles, je me permets d'être un petit peu bibliophile. Hein. C'est important d'avoir... Ça, c'est la première, ça, la deuxième, ça, la troisième, qui est une page plus petite hein, et dans laquelle les fautes qui sont indiquées là sont faites, et sont corrigées. Donc, c'est sûrement la dernière édition. Mais Lagrange dit, dans le manuscrit que j'ai publié il y a quelque temps, qui est à l'école des Ponts des Chaussées, il fait... qu'il n'avait pas eu le temps de faire une préface générale pour l'ouvrage. En effet, oui, c'est la partie historique, la partie premiale du premium de la théorie des fonctions analytiques. C'est le moins complet des ouvrages de Lagrange. Et il dit, oui, des choses assez intéressantes. Il prend position entre... Leibniz et Newton, il dit Newton, oui, c'est plus proche de la théorie des fonctions analytiques. Et ça, je n'ai pas, il me semble le temps d'insister sur ces choses-là. Et ça, c'est le manuscrit de l'école des Ponts des Chaussées. Et puis, on revient à Turin. Dans cette période, Lagrange est citoyen français, hein, parce qu'il a acquis la citoyenneté française en épousant Marie. Adélaïde Lemonnier, la fille de l'astronome Pierre Lemonnier. Le contrat de mariage a été publié justement par Taton. Hein. Et le contrat de mariage a eu lieu fin de mai 1792, hein, quand Lagrange avait été à Paris depuis 5 ans. Hein. Mais justement, la Constitution d'alors donnait la possibilité à quelqu'un qui avait épousé une Française hein, et qui était depuis 5 ans à Paris le droit de la citoyenneté française. Hein. Malheureusement, il y a un problème. Pierre Lemonnier, le frère du médecin du roi, le roi est parti pour Varennes, mais ici il exerce encore en quelque sorte la fonction de roi, hein, et il signe le contrat de mariage hein, de Lagrange. Donc, après la chute de la monarchie, qui vient tout de suite, 1700 ou 1792, Lagrange ne peut pas montrer son contrat qui lui assure la citoyenneté française. Mais enfin, il est citoyen français depuis cette année, il a le droit de... Il est appelé citoyen, en effet. Et il est appelé citoyen, par exemple, dans les actes de 1798, dans lesquels puis on fait une grande cérémonie. Les Français sont arrivés à Turin. Hein. Napoléon n'est pas là, Napoléon est en Égypte, mais c'est le général Joubert qui a libéré le Piémont pour une brève période, et pour consacrer le rapport entre le Piémont et la France, on fait une grande cérémonie. Hein. Monsieur de Talleyrand prépare la cérémonie, qui est faite très officiellement à la fin de 1798, pour les pères de Lagrange. Oui, Lagrange est le symbole de l'Union, on peut dire, qu'on va projeter du Piémont à la République française. Et ce sont des documents qui se trouvent à l'école polytechnique, les cours d'État du 18 Brumaire. Et une conséquence, c'est la nouvelle constitution avec le Sénat conservateur. Et Lagrange est un des premiers qui est nommé sénateur. par Napoléon. Il n'est pas très actif, mais quand même, il présente la réforme constitutionnelle. On parle alors du Senato Consulto qui unit le Piémont à la République française. Et vous savez que oui, la constitution de la République française de l'an 8 donnait au Sénat des charges très importantes. Il pouvait nommer les membres des autres de la Cour de cassation, etc. Et aussi, il pouvait modifier la Constitution. Et pour agréger le Piémont, qui est devenu en 1802 une partie de la République française, il faudrait avoir une réforme de la Constitution. Parce qu'il y avait de nouveaux départements ajoutés. Et justement, c'est Lagrange qui a proposé, qui a fait la proposition que pour Turenne, le Piémont, etc., former des départements de la République française. Et il a été en quelque sorte représentant aussi dans les corps électoraux. Les grands empires avaient été quand même un état constitutionnel. On dit souvent Napoléon, etc. Mais Napoléon était un souverain constitutionnel. Donc, et aussi pour le système électoral était assez compliqué. Et on ne voulait pas donner le suffrage universel. Je ne peux insister sur ces choses-là, mais quand même, c'est intéressant de dire que Lagrange est nommé grand électeur par le frère de Napoléon, qui est Joseph Bonaparte, et c'est aussi un document qui se trouve à l'École polytechnique maintenant. Il continue à publier des choses sur les sons, sur les calculs des fonctions, plus analytiques sur la première partie de la théorie des fonctions analytiques. Il prépare l'édition, la deuxième édition de la théorie des fonctions analytiques et aussi la deuxième édition qui n'est pas complète de la mécanique analytique qui sera complétée après sa mort. Le Panthéon. Les cérémonies publiques de Lagrange, je vais rappeler ce petit mot qui est prononcé par la place, non, qui vient après la CPED qui fait un grand discours très rhétorique, etc. Mais les mots de la place sont plus intéressants. Qu'il me soit permis d'ajouter quelques mots au discours éloquent que vous venez d'entendre sur les grands hommes dont nous plairons la mort. Parmi les inventaires qui ont la plus reculé les bornes de nos connaissances, Newton et lui me paraissent avoir possédé au plus haut point de vue cet arrêt qui faisant discerner dans les objets les principes généraux qui recèlent constituent les véritables génies des sciences dont le but est la découverte de ces principes. Cet acte joint à une rare élégance dans l'exposition des théories les plus abstraites caractérise M. de Lagrange. Sa perte sera vivement sentie par tous les géomètres, dont ces immortels ouvrages font l'instruction et les délices. Elle excitera les regrets de tous ceux qui s'intéressent au progrès de l'esprit humain. L'amitié qui nous unissons depuis longtemps mais rend cette perte encore plus douloureuse. Dans la chronologie, dans la mathématique, vous savez qu'on a une certaine généalogie des mathématiques faite par les Américains, les Anglais. Lagrange est considéré élève d'Euler. Il n'a jamais rencontré Euler. Ils ne se sont jamais rencontrés. Mais quand même, oui, c'est vrai que la formation sur les livres d'Euler a été la formation que Lagrange a fait. C'est vrai que Lagrange a eu des élèves comme Poisson, Fourier, etc. Et la partie qui suit, c'est vrai, oui, c'est Dirichlet, Lipschitz, Klein, Lindemann, Hilbert, Lefschetz. Et vous voyez que dans la descendance de Lefschetz, il y a Krusel, dans la descendance de Hilbert, il y a Neugebauer, donc des personnes qui ont lié de l'histoire des mathématiques, et Neugebauer a été aussi le fondateur de Mathematical Redis. Mais aussi Cauchy, si Lagrange est élève de Lagrange, Cauchy peut être considéré élève de Lagrange, parce qu'il a étudié très profondément. Son père était au Sénat, quand Lagrange était sénateur, était garde des archives, et Cauchy parle avec la théorie des fonctions analytiques, son livre de chevet. Et vous avez aussi Abel, et Cauchy est naturellement critiqué enfin la théorie des fonctions analytiques. Je suis forcé d'admettre diverses propositions qui parfois peut-être restent un peu dures. Par exemple, qu'une série divergente n'est pas des sommes. C'est ça la question. L'usage des séries divergentes. Et Abel, les séries divergentes sont en général quelque chose de bien fatal. Et c'est une honte qu'on n'ose y fonder aucune démonstration. La partie la plus essentielle des mathématiques est sans fondement. Pour la plus grande partie, les résultats sont justes. Il est vrai, mais c'est une chose bien étrange et je m'occuperai à chercher la raison. Le problème est très intéressant. Malheureusement, Abel mort, mais Cauchy a essayé de garder la partie la plus importante aussi de la théorie des séries divergentes. Il a, donc, il n'est pas vrai qu'il s'est opposé de manière si complète à la théorie des fonctions analytiques. Il a essayé de gagner les résultats, et Poincaré aussi l'a fait, les plus importants par un nouveau point de vue de la théorie des séries divergentes. Mais Cauchy a fait quelque chose en plus. Il a donné une définition d'intégrale que vous connaissez bien. C'est l'intégrale au sens principal, qui n'est pas une partie de l'intégrale de Riemann et une intégrale de Lebesgue. C'est une intégrale très différente et qui permet d'étudier la fonction logarithme intégrale, qui est justement, les intégrales sont justement une partie très rattachée à la théorie des fonctions des séries divergentes. Et la théorie des fonctions intégrales est attachée à la constante d'Euler, dont attend encore Euler-Mascheroni, dont attend encore la démonstration de l'irrationalité, et aussi à la distribution des nombres primes. Je vais terminer avec un mot. Pour une bonne marche, Charles Quint, le grand empereur d'Espagne, de l'Autriche, etc., n'est pas la même chose éclairée par derrière que par devant. Pour nous, qu'est-ce que signifie? Signifie que l'histoire des mathématiques est bien intéressante, mais encore plus intéressant, c'est voir l'avenir des mathématiques. Oui? Éclairée par devant, éclairée par derrière. Essayez un petit peu de vous éclairer par derrière. Aujourd'hui, des grands savants vous éclaireront mieux que moi par devant. Merci de votre attention. Alors, je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps pour les questions, parce que, en fait, on est attendu au Panthéon pour aller voir Joseph-Louis Lagrange. Il nous attend depuis longtemps, mais on n'a pas le temps pour des questions.